Merci beaucoup. On va en profiter pour remercier tout d'abord nos collaborateurs, metteurs en scène, qui ne sont pas là maintenant, mais on les remercie, Lambert Riquier et Alexandra Tolifras. À la voix du micro, Paul Mulin. Un grand merci à Dauphine et à l'association de théâtre pour nous avoir invités. Et grand remerciement également à Mathieu Husson qui s'est occupé de toute la bande son. Et un grand merci à l'association Impala qui nous a permis d'être là. Merci aussi à Catherine Benilly, notre excellente et merveilleuse graphiste, ainsi que Loïc Gazard, aussi merveilleux pour le reportage qu'il nous a fait. Et, bien sûr, merci à vous tous pour avoir venu, pour être venu. Que j'ai vraiment adoré, notamment quand Samuel a dialogué avec Mélina sur la renvoi. Je trouvais ça vraiment génial. Donc voilà, si vous pouvez me passer ce que vous avez écrit, parce que franchement, un grand bravo, c'était génial. Voilà. Ben, en fait, on a pensé à quelque chose. On va éventuellement regrouper tous les textes et passer un DVD avec photos, vidéos à ceux qui veulent. Donc, tu seras le premier sur notre liste, petit billet. En fait,
Tout ça a commencé en tant que une réunion pour écrire des textes, apporter des idées autour d'un thème. Et donc tout le monde a apporté, a écrit, a exprimé ses inquiétudes autour d'un thème. Et donc, finalement, on a décidé de faire une pièce. Et donc tout le monde a écrit un peu de tout. Tremble. On a tout arrangé entre tous. Et on ne joue pas. C'est-à-dire, les acteurs qui jouent n'ont pas écrit le texte qu'ils jouent. Donc c'est... On ne joue pas le texte qu'on a écrit. Voilà, ça c'est ouais, ça. Ouais, ouais, désolé. Ouais. Est-ce que vous aimez le métro ou pas? Ah, le métro. Ah, ah, non. Ah, à voix haute? D'accord, à voix haute, c'est vrai. Bah, aimer ou pas aimer, c'est surtout que c'est franchement un endroit fascinant. Parce qu'on réalise pas qu'on est rarement aussi proche corporellement de gens qu'on ne connaît pas. Et qu'il faut vraiment profiter parce que c'est vraiment un endroit fascinant où vous croisez des tonnes de personnes que vous n'avez même pas la chance de connaître, où toutes les personnes que vous connaissez, et il y en a un bon nombre, ne sont pas immédiatement à côté de vous. Et pourtant, on ne se préoccupe absolument pas de ce qui s'y passe. Et il y a vraiment à tirer. Et c'est une infime partie, ce qu'on a fait ce soir, de tout ce qu'il y aurait à dire sur le thème. C'est plutôt une invitation à se regarder, en fait. Et en fait, le métro, ce que moi je trouve particulièrement passionnant, c'est un peu un concentré de vie. Parce que, quand on avait décidé de faire le métro comme fil conducteur, on s'est rendu compte que beaucoup de choses pouvaient s'y passer. Et en fin de compte, c'est parce que on y passe en moyenne 1 heure par jour. En moyenne. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur le projet? Depuis le début de l'année, on a commencé vers, je sais pas... En fait, on a commencé à écrire au début de l'année, mais c'était pas dans une optique de mise en scène. C'était juste un projet. Et on a commencé à se dire, on va faire une pièce, et à commencer véritablement à répéter dans le mois de décembre. À peu près, ouais. Décembre, janvier, ouais. Mais ça... À côté des cours, vous n'en prépare. Bravo. Il faut de la compassion. Espagne. Pas exactement. Ouais, ouais. Espagne. Molière. Une option théâtre. Genre le même, je suis en train de m'acheter mieux. Non mais voilà, n'importe quelle remarque, parce que ça va continuer, après ça il y aura autre chose, et voilà, on prend toute remarque parce que c'est super constructif, donc allez-y, n'hésitez pas. On reviendra. Et donc c'était notre dernière ce soir. Si vous nous proposez, je sais pas, ça donne France. Non, parce que si on est éphémère, c'est parce que l'année prochaine, on est plutôt amené à se séparer chacun dans sa direction. Donc c'était vraiment une compagnie de l'éphémère. Et moi, ce qui me touche, c'est tous vous voir là pour concrétiser notre aventure et pour lui donner un vrai sens. Parce qu'on a beaucoup bossé. Voilà. Dans la mesure du possible, on va évoluer, parce que des aventures comme ça, c'est pas donné pour les gâcher. Donc merci beaucoup d'être venu, parce que ça donne de l'espoir. Peut-être parce qu'on y passe pas mal de temps, beaucoup parlaient du métro. Et donc à partir de là, on a commencé à rassembler les textes, voir les points communs, et puis l'idée est venue de monter un spectacle dessus. Voilà. C'est comme ça que c'est. Mais tu au départ un peu l'historique, quoi.
Longtemps. Oh non, moi, longtemps, moi, j'ai oui. Pas. Oui, les salles de l'école. Ah oui, pardon. Donc voilà. Bah. Mais vous êtes, vous vous connaissez depuis cette année seulement? Oui, depuis cette année, septembre, même dans le même prépa. Donc l'idée de monter un spectacle, il fallait quand même faire un appel à volontaires, quoi. Pas tant que ça. C'est... rencontre... voilà. On est en option théâtre aussi. Ah oui, d'accord. Vous êtes dans la même classe. Oui, on voit plus ou moins. Oui, c'est fou. Voilà. Vous êtes à quelle Amolia. Amolia. Juste à côté. Et puis ça a pu naître notamment parce qu'on avait des locaux de répétition. Voilà. Ça se spontané. Voilà, je tiens à le dire. C'est le code de répétition d'ailleurs, ce dernier. Oui, je pense que vous pouvez dire aussi la régularité de votre atelier, parce que vous avez quand même beaucoup travaillé. Il nous est arrivé de faire 2-3 répètes par semaine, parfois. Oui. Sachant que sachant sur la fin. Sachant qu'on est en prépa. Là encore, grâce à Jean Zé, qui a la flexibilité horaire de nous faire travailler 4 heures de pleine soirée et de nous faire partir à minuit, merci. Parce que c'est pas donné. Voilà, voilà, on en profite pour remercier, même si je crois pas qu'il est membre ici, mais l'association Impala, parce que pour être compagnie, il faut passer par une association, que bon, malgré le peu de décors et de costumes, c'est quand même un petit coup de fond, et qu'on a eu la chance d'être financé par ces gens-là, donc on les remercie encore, parce que là, on n'avait pas beaucoup, on n'avait pas grand-chose, mais ça marche. On n'a toujours pas grand-chose, mais ça marche. Il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Comment vous avez écrit le texte? Est-ce que chacun a donné son point de vue? Qui a tranché à la fin? Est-ce que vous avez racolé les morceaux des différentes personnes? Chacun écrivait un texte, donc on avait tous des points de vue différents. Et quand on a monté le spectacle, on a pris tous ces différents textes et on a essayé de plutôt faire un lien extérieur. On n'a pas modifié les textes, ou très peu. Et l'idée, c'était vraiment de laisser les différents points de vue qu'on pouvait avoir. C'est pour ça qu'il y a des scènes qui sont très différentes dans le traitement, dans le nombre de personnages. Et on a essayé de mettre un ordre, mettre une chronologie. Mais c'est des textes qui sont tous écrits par des personnes différentes. La particularité, c'est qu'on ne joue pas les textes qu'on a écrits. Oui, c'est important. Voilà. Mais pour continuer la réponse de Thomas, en fait, ça partait beaucoup sur des séances de discussion. Au début, c'était ça. C'était, on a un texte, qui veut lire, moi, et puis... ah oui, mais je trouve que ça, c'est un peu lourd dans le style, et on essaie de gérer ça ensemble. Et puis surtout, comment on est arrivé à ça? En supprimant beaucoup de choses. En fait, on avait une espèce de montagne de base de texte. Et même pas de texte, on avait des impros corporelles, des choses comme ça, on est passé par... Des bribes, on se laissait tout... Du cinéma aussi, on a tout fait. Et puis on a coupé parce que faut que ça tienne, faut que ce soit un format qui soit adéquat à ce qu'on veut en faire, donc... On a aussi eu des textes ajoutés a posteriori. Bon, vous avez peut-être remarqué le slam qui a été écrit par un collaborateur extérieur qui est slammer. Donc voilà, on a quand même eu aussi de l'aide extérieure, mais comme on dit aussi, bon voilà, Alexandra et Lambert qui sont là-bas dans le coin, qui ne peuvent pas monter sur scène, mais qui voilà, ont beaucoup aidé à la mise en scène, parce que quand c'est nos textes qu'on joue, c'est pas facile de voir un regard extérieur. On a la tête dans le guidon. Voilà, on devait un peu tout assumer, les textes, et puis la mise en scène, le jeu. Et Castorama pour là-bas en PVC. C'est très important parce qu'on ne se sent jamais autant comédien que quand on va chez Castorama chercher ses accessoires de théâtre. Ou alors quand on est dans le RER avec notre portant pour aller faire une autre représentation. Alors ça, c'est... On oublie cette partie-là, mais c'est très important. Ah oui, c'est Mathieu, c'est ma faute parce que j'ai dit derrière la petite pomme, mais en fait c'était, voilà, je voulais dire ingénieur son, professionnel, compositeur. Il a fait un boulot génial. Dans le Remarque, après ce spectacle, vous avez envie de dire quoi? C'était bravo. C'était génial, hein.
franchement, je trouve que vous avez vraiment le côté et musical et rire et il y avait du sens et tout. Enfin, tout était vraiment, vraiment super bien. Quoi. Pour un niveau, enfin, quand même, donc vous n'êtes pas professionnel, quoi. Donc, c'était de c'est... Ouais, vraiment. Alors là, ce sont nos représentants de l'atelier théâtre, SDR et Rosalie derrière, donc qui ont été aussi. Qui ont participé à l'atelier théâtre qui s'est passé à Jonzé le lundi. Merci. Une dernière question pour la fin et puis après on va au buffet. Voilà. C'était ça la question, rien du fait. Et une dernière question. Excusez-moi, j'étais pas là avant. C'est quoi votre association, s'il vous plaît? C'est l'association Impala. Donc c'est une association qui promeut la culture parmi les jeunes. Aide à réaliser des projets. Voilà, et maintenant. Très tournée vers l'étranger, très tournée vers la jeunesse, très tournée vers plein de choses. Et c'est grâce à des membres d'une ouverture d'esprit particulière qu'un projet non professionnel à l'origine a pu au moins avoir la chance de répéter régulièrement. Parce qu'on avait besoin aussi d'avoir des gens qui pouvaient au moins croire aussi dans le fait que des jeunes pouvaient faire un projet. Parce que c'est très flou, c'est très, très abstrait quand on a cette idée comme ça. Et donc avoir des gens qui disent « ouais, ça s'est déjà fait, et oui, on est prêt à vous aider », ça aide aussi, c'est plus concret. Quoi. Dernière remarque avant que tout le monde s'en aille, on rejoue. Ouais, c'est important de le dire, parce que si vous avez aimé et que vous avez envie d'emporter votre petit cousin, peut-être pas trop petit, mais la famille en entier à la représentation, en fait on joue grâce à notre collaboratrice dans un amphi de 800 places à Dauphine. Le 14 juin, donc on a des flyers ce vendredi. Donc on a des flyers sur la petite table. Donc si vous avez envie de nous revoir, peut-être que la prochaine fois vous apporterez des tomates. Si vous voilà. Donc n'hésitez pas à revenir parce que vous avez été très chaleureux ce soir. Je sais pas, on n'a pas encore discuté, mais moi j'ai passé un très bon spectacle. Nous aussi. Non, je vais aller en chercher encore d'autres. Voilà. En plus, qu'il vous en faut. Parce qu'il nous en reste 400 sur les bras. Donc voilà, si vous voulez un souvenir, parce qu'on a une jolie affiche. Merci. Quelqu'un pourrait me contacter qui est un graphiste de l'école Boulle. Eh ben non. Voilà. Je crois qu'on la remercie. Donc, merci beaucoup et au buffet.